Eh bien, salut tout le monde, c'est Artvek et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Dying Light. Et on s'était arrêté avec le pacte avec Rice. Donc il fallait qu'on aille rencontrer le cher Rice. Je crois que j'avais déjà fouillé. Ah, j'avais déjà fouillé, mais ils ont remis des sous. Alors, présentez-vous à Rice, donc on y va tout de suite. Je vais me péter la gueule. Alors, je suis désolé, la semaine dernière j'ai pas trop pu. Tu prends la plainte. Merci. J'ai pas trop pu upload de vidéos. Avec mon boulot, j'ai pas eu trop le temps. Parachutage volé, ok. J'ai pas eu trop le temps. Mais je me rattraperai cette semaine, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des mecs. Ok. Dégage, ça te concerne pas. Ok, il m'a vu. Motherfucker. Oh putain. Attends, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, je sais plus les touches. Ouais, mec. Voilà. Moi ça, ma gueule. Tu fais quoi, toi? Et je tape dans le ventre tout à l'heure. Il m'envoie des couteaux. Putain, j'ai plus de. Coup de savate. Bon, je vais utiliser un kit de soins. Bon, allez, il en reste plus qu'un. Ah, le mec, il esquive et tout. Ok, tête coupée, pied coupé. Ah là, j'ai coupé le corps. C'est bon, tu peux t'enfuir. Ils nous sont tombés dessus quand on visitait les lieux. Ils voulaient nous faire parler. Oh, merci, mon ami. Si vous étiez pas venu, ils nous auraient battus avant. Allez, dégage. Ok. Dégage. Ça leur font rien. Alors, faut que je passe ici. Pardon, excusez-moi. Je ne fais que passer. Toi, dégage. Plus jamais tu passes sous les voitures comme ça, ok? Bâtard. Ouais. Je crois qu'on est presque arrivé. Yes. On va pas tarder à arriver. Ah, il y a une bagnole de flic là-haut, un camion de flic. Ok, Raim, je suis sur place. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin. Congratulations. Allez, on va essayer de crocheter ça. Ouh, ouais, du premier coup, les gars. Une batte de baseball. Je vais relancer un petit. Hop. Allez, amusez-vous bien. Puis. Salope. Un berserker, je sais pas quoi là. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Putain, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir trouver une arme. Logiquement, en fouillant les camions de police, je devrais trouver une arme. Tire pas. Main en l'air.
Tu veux quoi, les mains du l'air. Viens voir Rice, c'est Brecken qui m'envoie. Brecken? Cet abruti dans sa tour? Alors il veut quoi, Brecken? Il veut passer un marché. Quel genre? Le genre qu'on passe. Ici Jade, pour tous les traceurs. Ok. Faites vos valises, les gars. La nuit tombe. Ça, et vous feriez bien d'être en route pour la tour. Rendez-vous ici. Ok, ma girl. Je passe. Welcome, friend. On est amis depuis combien de temps, Osman? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche? Gauche. Tu parlais de ma gauche ou de la tienne? Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché? Pour de l'antisine, forcément. Les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, Tes services? Ta loyauté? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité! Ok! Alors, faut pas se frotter à lui, hein. Putain. Oh! Petit couteau rouillé. C'est de gauche ou la droite? C'est de gauche ou l'autre gauche? Ok. Petit couteau rouillé, c'est plutôt pas mal. La main, on peut pas la prendre, c'est dommage. Histoire de mettre des gifles aux zombies. Ouh, il y a de l'arme là. Putain, je peux pas les prendre, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Putain, il y a des armes, mais je peux pas les prendre, je suis dégoûté. Bonjour, monsieur. Il y a rien à prendre ici. Bijoux. Attendre jusqu'à la nuit. Ok, donc... Ok. Bon, bah voilà mon... Mon chez-moi. Je suis à peine arrivé que j'ai déjà un petit appart, un petit studio au calme. Tuyau de gaz. On va le prendre, on le revendra. Même si c'est de la merde. Commence à faire nuit, je pense que je vais aller dormir. Et je vais me réveiller quand il fera jour. Je pense que ce sera mieux. Oh là, allez, hop, ça c'est un temps à redormir. Bon, est-ce qu'il fait beau? Ah non, pas vraiment. Allez, on redort. Bon, là, il fait nuit. On redort. 14 heures plus tard, le mec, il dort 14 heures. Bon, est-ce qu'il fait beau? Non, mais on va arrêter les conneries. Hein. Parce que si à chaque fois il fait ce temps-là, on n'est pas arrivé. Donc là, on peut rien prendre. Faut que j'aille où, moi? Ici, ok. J'ai rencontré Rice. Jade a raison, c'est un psychopathe. C'est aussi l'agent qui a doublé le GRE. Et je dois maintenant coopérer avec cet enfoiré. Pas seulement à cause de ma mission, mais parce qu'il stocke des tonnes d'antisine. Putain de virus. Allez voir Karim pour savoir quoi faire. On voit rien du tout là-dedans. Oh, le catcheur masqué. Rey Mysterio. Non, pas du tout. C'est toi, Karim? Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Rain. Un Américain. Rimka, ma gueule. Au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement?
tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds ou trop bourrés pour escalader ces tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine ? Ça, c'est entre Rice et toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Ok. Bon. C'est bien. On pourrait devenir très bons amis, toi et moi. C'est qui parle ? C'est toi, là ? Je crois que tu me fais peur. Alors, contactez le GRE. Alors, on va devoir sortir. Et lui, il peut rien vendre, non ? Tu vends rien du tout. Visez-moi le gringalet. Mais toi, tu fermes ton gueule. Allez, on va aller contacter le GRE, le GRE. Je viens de rencontrer Karim. C'est un peu l'homme à tout faire de Rice. Son larbin en chef, en gros. Karim m'envoie réparer une antenne pour Rice. J'adore vraiment faire le garçon de course. Ok, alors, contactez GRE, je dois sortir. Wow, il est cool. Oh, il s'est embroché ce qu'on... faut que je monte. Y'a rien là-dedans ? Ah si, y avait une caisse. Ah merde. Nickel. Allez. Un bon petit truc. Croisé. Ok, c'est tout. Bon bah super. Merci d'être passé. De pile. Comme ça et comme ça. Rain. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous ? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane, terminé. Ok. Niveau de survivant augmenté. Alors, on va lui mettre un petit point de compétence. Hop. Alors, expert en fabrication. Améliorez vos compétences de fabrication. Créez plus d'objets à partir des mêmes matériaux. Ces boosters, utilisez des plantes pour créer des boosters qui vous permettront de combattre sans vous fatiguer, courir plus vite, mieux voir la nuit ou mieux résister aux attaques. Apprenez à fabriquer des shurikens avec 3 effets supplémentaires, givre, brûlure, explosion. On va prendre expert en fabrication. Je pense que ça peut vachement servir. Alors, trouvez une antenne de télécommunication, donc c'est par là. Oh là là, putain, il peut pas se rattraper ce qu'on a. Allez, on y va. Hey, salut Cameron, t'es prêt ? Tu dois faire quoi exactement ? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Et un empereur doit gérer son empire. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Baklava et de l'alcool. $108. Ah, ça peut être pas mal. Hop.
quand même beaucoup de trucs à fouiller. Hein. Hop, ça c'est bon. Hop, il y a une petite caisse. Oh, le cigare, je peux pas le prendre. Quel dommage. Un petit Havane, là, tranquille. Ok, bon. Ah, il y a un piège lumineux ici. Ah, on va y aller. Ah si, il y a un truc à faire. Ah ok, d'accord. J'ai déjà dit d'arrêter de passer sous les voitures. Fordes. Pardon. Ça va y arriver. Bon là on est au tiercar. Hein. Oh putain, alors les deux là on va les éviter. Allez, je crois qu'on arrive, Karim, ouais. Tu es la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment, au pied de l'antenne. Ok les potes. Alors j'ai eu un petit souci de record, j'ai été obligé de recommencer. Rien de grave. Alors par contre j'ai un point de compétence à attribuer. Alors on va voir ce qu'on peut prendre. Alors régénération de santé. À mesure que votre corps se renforce, vous pourrez régénérer davantage de santé. Assommez vos ennemis d'une demi-volée tout en courant. Ça peut être pas mal. Ça, c'est grappin aussi. Adepte du freerun. Améliorer votre freerun. Courez plus longtemps. Grimper. On va prendre ça direct. Et je pense qu'après, on prendra la régénération de santé. On est presque. On a presque un nouveau point de puissance. Alors, c'est pareil. Je voulais mettre. Tester le bordel là. Le couteau rouillé. Je vais mettre ça à la place du petit couteau. On va tester ça. Merde, à chaque fois je me cours de touche, putain, ça fait chier. Voilà. Alors, activer le générateur principal de l'antenne. Ok, un coup. Ça serait bien qu'il crève. Mais... Attends, pour pas fermer les portes là. Le bruit attire les ennemis, ouais. Putain le con. Il est parti où le gros là? Avec ça, putain. Comment je peux le niquer lui? Comment je peux le niquer? Oh, il faut que j'ouvre aussi. Oh putain, c'est quoi ce truc là? Oh! Elle me dégueule dessus! Parce qu'un de ces infectés de mes deux avec les boyaux qui dégueulent vient de me balancer une bière toxique! C'est une bonne raison! Putain! Alors toi, mon pote! Toi, tu veux me dégueuler dessus comme ça, toi? Oh la! Il est pas beau! Hein. Il est pas beau! Alors, il me fait penser à un épisode des Simpsons. À vomir avec sa tête là. Ça fait trop penser à un épisode des Simpsons. Ah, du coup, le truc c'est pas ouvert. C'est génial. Génial, génial. Oh, mais putain, mais lui il est juste horrible.
Comment sait-il que je peux-il faire ? Qu'est-ce que j'ai dit là ? Alors, je vais lui lancer un cocktail. Comme tout à l'heure. Putain, mais il crame pas lui aussi. Pas ici mon pote. Faudrait que le camion il explose. Oh putain. Ça fait chier, je pète des trucs pour rien. Alors je vais mettre mon point compétence. Robustesse, à mesure que votre corps gagne en puissance, vous pouvez absorber davantage de dégâts. Lancer une arme, lancer multiple, on va prendre robustesse. Allez, reviens mon pote. Oh putain. Allez viens. Ouh, il a pas aimé ce petit coup là. Ah, j'espère vraiment qu'on va débloquer une arme là, qu'on va retrouver une arme. Sérieux. Ces bonhommes là, ils font vraiment galérer. Ah putain. Allez, reviens là. Reviens, qui disait le payer. Reviens. Boum. Putain, et puis hein, bison là, qui arrive. T'es sérieux, le mec il esquive. Allez, allez, là on va le défoncer lui. Putain. Je l'ai eu ? Ouais. Nickel, allez. Hop, on le fouille. Tac. Et on ouvre ça. J'espère qu'il n'y a rien derrière. Yes, nickel. Ah si, putain, c'était sûr. Forcément. Tiens, salope. Ah, mais t'es sérieux, là? Putain. Incroyable, c'était seul de la merde. Putain. On te fouille, hop. Ah oui, 8$, merci. Accrochage difficile, franchement, moi j'aurais plutôt dit facile. Oh la petite manette. Encore un crochetage. Un petit peu sur la droite. Ah putain. Putain, j'entends les zombies arriver. Je crois qu'il y a des zombies qui arrivent. Putain, t'es sérieux. Ah, ça joue à pas grand chose quand même des fois. Moi, deux manettes, j'aurais préféré un gun. Là, y a rien. Bon, on va remettre ça en route. Là, j'ai allumé ce putain de courant. Bien, maintenant, grimpe tout en haut. Ok, donc maintenant, il faut remonter. À la Far Cry. Faut remonter la tour à la Far Cry. Alors, moi, je passe par où? J'ai passé là. Ok, moi je pense que je passe ici.
Ah, c'est vraiment Far Cry, hein. C'est toujours ouvert. Passer par là. Tu sautes ou quoi, mec? Galère des fois, n'empêche le mec. Hein. Ok. Pas que je tombe. Putain, t'es sérieux, mec? Agrippe-toi, bordel. Allez, où te la tour, n'empêche. Hein. Ok. C'est ici. Oh putain. Ils sont sérieux. Ok, il y a un zombie juste à gauche là. Je sais pas comment on a fait pour monter celle-là. Grognasse. Pièce métallique, c'est bon ça. Hop. Oh merde, Karim. Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces. On peut plus rien allumer, là. Fondas. Merde. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Ok. Par là. Ok. Oh putain. Dégagez d'ici. Mais t'es sérieux? Putain, mais moi j'arrive, je me fais tuer comme une merde. Oh là là, mais c'est pas sérieux. Pff, mais tu perds des points, tu sais. Oh là là. Ouais bah vas-y, je suis obligé de remonter pour aller à la tyrolienne, t'es sérieux là? Ah, tu veux pas sauter toi, t'es sérieux? Oh là là. Ok, bon. Trop vite, quoi, le si mec. Le deuxième émetteur est foutu. La vraie question, c'est tu fais quoi si tu déçois Rice? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Oh putain, il y a encore un vomito là-haut. Là. Putain, t'es sérieux? Improbable. Tu meurs des fois, non? Voilà. Putain. Tout ça pour 42$. Ils abusent pas un peu, les mecs, tu vois. On va aller à la deuxième antenne. Hein. Encore. Hein. Ça doit être celle-là, je pense. Elle
plutôt. Ah, attends. Il se passe quoi là? Voilà. Il m'a filé quoi, roi? Je sais pas quoi. J'ai pas fait gaffe. Putain. J'ai pas fait attention à ce qu'il m'a donné. Bon alors là comment je passe? C'est vrai parcours. Hein. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. C'est peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue ces deux-là. Ne lui laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Ok, donc il faut trouver le moyen de rentrer. Ok, bon, bah, le moyen, je crois qu'on l'a déjà trouvé. Hein. Faut sauter par-dessus, comme ça va plus vite. Qu'est-ce que tu veux? Toi, ferme ton gueule. Je dois escalader la tour. Quelle idée. Pourquoi faire? Ouais, pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Rice? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Si tu veux grimper, très bien, vas-y. Ouais, t'as plutôt intérêt à me laisser grimper, toi. Hein. Veux-tu bien parler moins fort? Peu importe si on m'entend. Christophe, t'as perdu la tête ou quoi? Oh, rien à prendre. Putain, faut encore grimper une... Oui. Ok. Et on travaille pour... La porte est fermée. Tac, on va passer l'eau. Tu ne réfléchis pas assez, Christophe. Si tu continues comme ça, on est mort. Je peux passer l'eau, ouais. Nickel. Ça, l'échelle. Toutes les échelles, elles sont fermées, elles sont sérieuses. Allez! Voilà. Hop, voilà, il y a une qui est ouverte. Donc là, c'est mort. Il faut que je saute là-dessus. Hop. Ah, ça va, le mec, il prend de l'élan. J'espère que l'escalade en valait la peine. Comment dire? Yes. Oh la vache. Oh la vache. T'es un fou toi mec. T'es un putain de fou. Hop. Ce sera mieux là-dessus. Il semblait bien avoir vu un truc passer. Allez, on y est presque. Parce que j'ai pas été trop... Mais... Ça me ferait chier de redescendre. Parce que pour redescendre, à mon avis, là, ça va être la galère. Je sais pas s'il est en haut, le truc. Alors là, comment je passe? Ok. Oh non. Bon bah les gars. Non. Putain, c'est un truc de ouf les mecs. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Il va être là. Ah, j'en étais sûr. Ah putain, heureusement que je suis tombé en fait. Je sais pas pourquoi, je le sentais. Et le boîtier est intact. Voyons si ça en valait la peine. Hé, Karim, le deuxième émetteur est en état de marche.
Ça fonctionne ? Karim, tu me reçois ? 5 sur 5. Beau travail. Tu connais le chemin pour rentrer ? Le droit. Ok. Bon, pour le fun, on va essayer de monter au sommet. Je vous assure rien. Allez, ma gueule. On y est presque. Yes. Alors, je vois qu'à toutes les tours, on récupère un petit drapeau au-dessus. Je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour gagner un trophée. Donc, voilà. Alors, les amis, je vous laisse là pour l'épisode 4 de Dying Light. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime si la vidéo vous a plu. De vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.